Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la Hellbox du mois de février. Le thème est Animal Parade. On a en photo le contenu de la box. Voici le contenu écrit. Donc à l'intérieur, nous avons une petite glace licorne, une machine à bonbons en moule, une boisson et une petite glace en forme de lapin, de la résine en 25 grammes, des petits nounours, un moule petit nounours, une feuille plastique, des petites billes, différents bezels, des petits accroche-sacs, des stickers. Voilà tout le contenu de la box. Donc je vais utiliser la résine Liquidissima, mais bien sûr vous pouvez le faire en résine UV. Je prends du colorant rouge et du blanc pour faire du rose. Là c'est du blanc transparent, mais j'ai ajouté aussi un peu de blanc normal avec des paillettes roses. Des paillettes blanches. Ensuite, je prends cette couleur pour faire du vanille. J'ai ajouté un peu aussi de pigments blancs et de paillettes blanches. Pour faire du violet, j'ai mis du rouge et du bleu que j'ai éclairci également avec du blanc. J'ai mis des petites paillettes violettes. Et pour terminer, j'ai fait un bleu clair avec du pigment bleu et du blanc. Un petit peu de paillettes bleues. Voilà toutes mes couleurs. Donc je viens les verser une à une dans les différents moules en les mélangeant comme ceci et je laisse sécher 24 heures. Ensuite, je peux passer au démoulage. Voilà pour la petite glace, les petits nounours de la machine à bonbons. Le résultat est mat car le fond du moule est mat. La glace lapin. Le petit bubble tea. Et les tout petits nounours. J'ai fait également d'autres moules à côté avec le reste de résine. Donc on va commencer par la petite machine à bonbons. Donc j'ai découpé la forme du haut avec le plastique. N'oubliez pas de retirer le petit film qui est dessus. Je pose la première partie, je viens catalyser et je viens disposer tous les petits bonbons. N'en mettez pas trop pour que vous puissiez secouer. J'ajoute des petites paillettes et je viens fixer l'autre partie avec de la résine. Je recatalyse. Et voilà le résultat pour la machine à bonbons. Je fais la même chose pour le bubble tea. Je viens mettre les petites perles qui étaient dans la box de différentes tailles et je viens remettre une petite plaque de plastique. Comme ceci. J'ai ajouté de la résine UV dessus avec des petites rondelles de citron. Je viens également déposer des petits éléments en chimo, donc des yeux et une bouche. Que j'ai cuit 5 minutes avec les petites joues. Je viens recatalyser. Voilà le résultat pour le bubble tea. J'ai fait pareil pour les autres.
Donc mon avis sur cette box de février, j'ai vraiment beaucoup aimé les petits moules. Donc je me suis encore perfectionnée dans les shakers parce que j'en fais pas souvent. J'ai bien aimé aussi les petits bezel animaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire la création que vous avez préférée et ce que vous avez pensé de cette box. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et à faire un petit tour sur la chaîne de mon frère qui a réalisé la musique de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto. Salut! Et surtout... Et surtout, abonne-toi!